Bonsoir Aram, vous êtes lauréate ce soir d'un trophée de bronze pour la qualité de votre établissement. Quelle est la spécificité de la Villa Beausoleil de Boulay-Moselle? Alors, la Villa Beausoleil de Boulay offre plusieurs services. Donc, on a de l'accueil de jour, donc on a 6 places par jour. Donc, ça, c'est pour favoriser aussi le maintien à domicile. Donc, ce sont les personnes qui vont avoir, par exemple, une maladie d'Alzheimer et qui vont venir en fait la journée pour faire travailler un peu la mémoire, des ateliers mémoire. Voilà, on a également l'EHPAD. Donc, l'EHPAD, on a 83 chambres, dont 3 places en fait en séjour temporaire et 2 unités protégées pour les personnes qui vont avoir une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Voilà, et on a également les appartements. Donc avec les résidences-services, on a 25 appartements. Vous avez des couples qui ne. Quand on arrive, on ne veut pas être séparés. Donc on a des appartements qui communiquent avec des chambres EHPAD. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça permet de garder la vie aussi qu'on avait avant. Au niveau des animations, ça peut être des activités, des cours d'aquagym par exemple. Ça peut être travailler un petit peu la mémoire. Faire des sorties à l'extérieur. Donc même si on est à Boulay, on n'est pas très loin de Metz, hein, c'est qu'à 20 minutes. Donc ça va être des sorties au cinéma, sorties au restaurant. Il y a le zoo d'Amnéville aussi qui n'est pas très loin. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent se faire aussi, même si on est en établissement, on continue. Le but, c'est de continuer vraiment la vie qu'on avait avant, enfin toutes les activités qu'on peut faire encore. Donc ça, on le propose. Une dernière question sur la restauration, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très important pour les résidents, les personnes âgées, et pas que les personnes âgées. Ah oui, alors la restauration, effectivement, faut que ce soit de qualité. On organise régulièrement des commissions, des menus, donc avec les résidents, pour qu'ils puissent choisir aussi voilà, qu'est-ce qu'on aimerait manger. On organise aussi des tables du chef. Donc là, le principe, c'est que le chef de cuisine organise en fait une table avec un groupe de 5-6 résidents qui s'accordent voilà, sur un menu, donc un menu un peu plus festif, au libre choix de chacun. Voilà. Et c'est vrai que la restauration, enfin, ce qu'on a dans l'assiette est très important et c'est le moment le plus attendu aussi de la De la journée, journée. ça il faut le dire. Très bien. Donc, et notre chef de cuisine a fait pas mal aussi de restaurants étoilés, donc il est lui et son équipe assez regardant sur la qualité. Parfait. Voilà. Je vous remercie, madame, pour Merci à toutes vous. ces éclairages.